De retour à... Poil, fesses, narines. Intervention de Frédéric. Aujourd'hui, on parle foufoune. Narine. Qu'est-ce que c'est, Frédéric? Pourquoi qu'il aime tant les fesses? Pourquoi il aime tant en parler? Ben parce que c'est drôle. Ouais. Fesses. Mais c'est dégueulasse aussi, là, quand tu nous comptes des histoires de se rentrer les doigts dans les fesses pour aller se gratter la merde pis tout. Ça nous intéresse pas de savoir ça, Frédéric. Écoute. Ouais, ok, j'ai... Fesses. C'est pas le mot le plus drôle de la langue française. Ben, bisoun est assez drôle aussi. Bisoun. C'est même pas une vraie affaire. Des fesses, ça existe, là. Bisoun, c'est quoi? Ça pourrait c'est bien être... C'est un pénis. Cherche bien. Ça pourrait bien être un divan. Cherche dans le dictionnaire, même. C'est peut-être là, bisoun. Non. Fesses. Mais pourquoi t'arrêtes pas d'anus pis tout le temps pis se jouer dans les fesses, Fred? Ben parce que c'est drôle. C'est drôle se jouer dans les fesses. Ben c'est pas mal drôle. Toi dans la douche, tu te mets les doigts dans les fesses pis t'es là. Ben non justement. Ce qui est drôle c'est de pas le faire pis d'en parler pis de rire avec ça. De genre... rire de celui qui se met les doigts dans les fesses? Ben non mais parce que sûrement qu'il y a... d'imaginer que tu le ferais. Ouais j'imagine que je fais ça genre... j'ai un petit haut le cœur moi te dire. Oh, oui, t'as vu moi je trouve ça crissant drôle. Je m'imagine me sentir les doigts pis faire... Ça m'en met le cul! Quoi là? Mais quoi? Mais tu sais, c'est moins vulgaire parler de fesses que de pénis. Se jouer wow. Après le pénis, imagine tu trempes le doigt dans l'urètre. Regarde là! Seigneur! C'est pas mal moins dirt de rentrer le doigt dans les fesses. Ben c'est quand même dirt, là, c'est quand même tes fesses. Là. Ta merde, elle sort par là. Ouais, mais il y en a que ça les fait jouir d'avoir une main dans le cul. Est-ce. Toi, ouais. Ça te fait-tu jouer? Ouais, non, jamais essayé. Ça. Ben, tu devrais essayer. Je me contracte le rectum en esti quand je me fais rentrer un suppositoire dans les fesses. Ou un petit thermomètre frais à l'hôpital. Ouais, ouais. Ben les deux, c'est pas mal à l'hôpital. Geodude. Le Pokémon caca. Le Pokémon caca. Ouais, fixation sur le caca. En solide. Ouais. À cette heure, on parle de tout sauf le caca. Ok, on parle de sperme. Le sperme. C'est encore pourquoi ça colle? Pourquoi ça pue? Pourquoi c'est mal? Pourquoi c'est blanc? Ça pourrait pas être c'est, bleu. C'est nos abondes, là, du sperme. Bon, hey, ça pue ça, en tabac. Ça sent des choses. Ça sent la vieille petite colle. Ah, les gars. Bon, c'est ça, en tout cas. Fait que de quoi qui sent meilleur? Genre, imagine-tu, t'as. Le sucre. Imagine-tu, je prends une sperme en compte-goutte, pis j'ai deux compte-gouttes de plein de sperme, pis je t'évite dans les narines. Hey, ces vidéos-là, sérieux, là, les téléspectateurs vont genre mettre 30 secondes pour faire c'est quoi ce vidéo-là. C'est quoi la fucking joke? De se rentrer des compte-gouttes de narines. Ouais, ben rentré, là, jusque dans le fond, là. Pis là, tu sais, tellement profond que si tu l'avales. C'est dégueulasse. Tu renifles un peu, pis tu te mal l'avaler. Ah, ah, on va me chercher de quoi à boire. La nouvelle obsession de Fred, avaler du sperme. Genre, mais... Fred, il vit pour l'image, ça. Je mets comme Fred. Ouais, ah, t'es vraiment trop venu. Ouais, c'est ça. C'est concept. L'image t'est venue dans la bouche. Sérieux, je trouve ça toujours moins dégueulasse que du club soda. Prendre une petite bas de faire pour ça. Ah, de quoi là, tu bois de la bière? Tu chauffes-tu à soi, toi? Non. Ok. De quoi tu bois de la bière? Là? Chauffes-tu à soi? Oh, il est 4 ans. C'est ça qui va arriver. On est même pas encore dans le tueur du souper, c'est divin. Arrêtez! On a toute une dépendance ici. Fred est accro aux fesses. Non, mais regarde, moi, je t'accro à parler. Moi, je t'accro. D'affaires que le monde n'ose pas parler. Tu pourrais même parler de viol. Un viol, là. Ouais, ça. T'as pas grand chose à dire. T'as quoi d'être déjà à dire, dis-le. Ouais, c'est ça, ça serait tellement pas. Là, j'étais là, watch tes mots. Ouais, c'est ça qui arrive. Non, sérieux, j'ai pas grand chose à dire contre le viol parce que. Ben,
pour le viol. Non, non, je vois pour le viol. Pour le viol, ouais. Parce que sérieux, c'est pas. C'est pas la meilleure chose à faire. Ouais, c'est pas. Je peux parler. Je peux parler de bébé mort. Parce que ça, il y a tellement de jokes là-dessus que c'est pas trop grave. Yes! Sir! Sir! C'est le bébé mort de shit, ok? Avortement, salut. Ouais? Quoi? Que c'est qui se passe? Comment j'ai fait? C'est pas mal. Comment j'ai fait? En tout cas, Pikachu, il est pas mal plus en base de même. What? Quand tu fais sur LPR, ça l'allonge le site TV. Comme ouais, sur Game Boy! Ouais, c'est ça, c'est Game Boy et tout, ça faisait ça. Ben, mets-le en large, man. Ben, c'est moins beau. Ouais. Ouais, mais Pikachu, il est plus en base, fait que c'est plus drôle. Ok, on va le mettre en large. Pikachu est plus en base. Alors, cette vidéo est maintenant en 16:9, officiellement. Yeah! On est parti de large comme ça à large comme ça. Ouais, non, sérieux, j'en avoue, et puis le clap ça. Non, non, man. Ça, je te l'ai dit. C'est le beau complet, man. C'est le beau complet, là. Ah non, mais c'est parce que ça, là, là, il est rendu, il chaud. Il pète, il pue, man. Ah, c'est rien que de l'eau qui pète la barre. Ouais. Ça passe. Et... sérieux, j'ai failli vomir à la dernière fois. Quel sprite de Onyx de merde. Il a l'air pétérel. Il a l'air d'avoir bu du clap soda en goddamn. On dirait qu'il va faire genre. Ah, il sape, ouais. Mon gars, lui, il est arsé en rond, là. En U, mon gars. Comme s'il avait mal au dos. Eh. Genre, il. Avec le pointu dessus, là. Quoi? La fois, c'était un gros caca. Non, c'est... on parle plus de crotte. On parle plus de crotte, là. Ouais, imagine, tu t'amenais dans les fesses. Qu'est-ce que c'est, ailleurs? C'est mon l'échappe. Ben, Fred l'échappe. What? Oh, il fait bide. Okay. Pourquoi que ça marque L12 asti? Ben level 12. Non, je le sais, mais c'est lettre asti. Marking 12. Fred, le tour de Charlie, c'est pas grand chose là, sérieux. Tu fais ton grump. Oh non, mais depuis tantôt, genre, je vois ça pis je suis comme. Ok. Mais à chaque fois, je regarde vite pis je vois comme ça en 12. J'ai entendu le corps de Pikachu. Ouais. C'était vraiment morbide, ça m'a vraiment fait de la peine. Ah ouais. Ouais, ça, les deux. Seigneur, je vais écouter la vidéo. Mais... puis je vais lâcher du larme. Ouais, mon tour. Une petite larme on va de métal. Une petite musique dramatique. Je pleure des larmes de métal. C'est quoi qui faisait ça? C'est qui qui faisait ça? C'était-tu un RBO, ça? C'était Normand Brathwaite, je pense. Okay. Ouais. C'était Normand Brathwaite. Ouais, c'était ça. Hein? Ouais, je pleure des larmes de métal. Oh, dans... bien mais c'est où que j'ai revu ça? Moi j'ai vu ça à Musimax, genre dans Génération 80. C'est ça, ok, je... ok. Ouais. Mais je pense que moi j'ai vu ça à genre les enfants de la télé. Larmes de métal. Ouais, c'est ça, je pense, ouais. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Je pleure des larmes de métal. Oh non. Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Frédéric, tu t'en vas en thérapie tout de suite. Regarde, je vais pogner un téléphone, là. Genre, je compose un numéro 800. 1-800 fesses. Genre, c'est parce qu'il y a du monde sensible dans la vie là, qui pourrait écouter ça pour vraiment que ça les écheure. J'espère. Ben, tu sais, parce qu'il y a du monde qui paye une sapée en mangeant puis ça les énerve en vidéo. Là, c'est entendre les pets à toutes les 2 secondes. Ouais, on va arrêter de péter, là. Excusez, les amis, là. On est pas propres. On va essayer le prochain coup, je vais emmener ma cam, pis on essaiera de faire des pet fire, pis on les filmera. Pis on mettra ça à la fin des vidéos. Ok, attends. Tu veux fumer les pet fire ou tu veux filmer les pet fire? Filmer. Ok, filmer les pet fire. Oui. Parfait. Fumer un gros joint de pet fire. Ouais, that's it. Ça prend du comment risque. Comment qu'on ferait ça? Yo man, moi j'ai du gros couche. Ah ouais man, moi j'ai du gros pet fire man. Ça bosse bien plus que ton couche. Ferme ta gueule avec ton couche. Hey Brock, hey, c'est quoi t'as perdu man? Ouais, j'ai perdu. Jean-Guy. On fume du Jean-Guy. Ouais. Ouais. Ouais, je suis vraiment pas capable de rester assis, moi. Ouais, ça on voit ça, tu tiens plus en place. C'est à cause de son addiction aux fesses, là, il a hâte d'aller manger des fesses. Ouais. Ce soir, comme souper, ce soir, souper presque marin, parfait, oui. Frédéric cuisine un plat de fesses. Frédéric. Et attention, ce n'est pas un plat qui goûte les fesses, mais un plat vraiment de fesses. Ouais, genre pain de fesses. Vraiment. Là, Fred, il fait « Oh là, aujourd'hui, je sais préparer des fesses de, serre de Virginie. » Et puis, comment tu vas faire ça? Yeah. Pour l'air d'avoir su. C'est genre, ça va être... C'est pour ça que je l'ai dit. Ça va être... Un riz sauté aux fesses. Ouais. Un riz festoyant.
Mais genre, tu sais, je mettrais un pain fesse en accompagnement, pis un pudding au chocolat comme dessert, mais à part de ça, je le sais pas qu'est-ce que c'est. Fred, pour vraiment, tu donnes ta candidature, un super presque parfait. Mais ouais, dans le fond, j'ai 18 ans, je peux m'inscrire à toutes les affaires. On peut t'inscrire, asti! Go, man! On là. Fait ça, là, là! Ton thème, c'est... Non? Non, non. Non, ok, tu veux pas ça, là? Ouais, ouais, man, on t'inscrit mais... pour la prochaine saison de... Un jour, un souper ouais. Presque parfait, salut! Le Fred serait à l'émission, je serais là, ouais. Bonjour, je m'appelle Frédéric. J'ai concocté un plat de fesses. Là, les autres invités, genre, ils lisent ça. Pudding au chocolat avec boule de crème glacée en forme de fesses. Ils font tabarnak. Mais... Ça oui, toi, c'est là, honnêtement, j'admire ce petit jeune-là, tu sais. Il a 18 ans, puis il fait de la cuisine, mais c'était mauvais du début à la fin. Pour l'originalité du repas, Frédéric, je vais donner un 10 sur 10. Frédéric, comment tu penses que tu as eu au cumulatif? 10 sur 40. Chris. 10 sur 40. Ça serait un hostie de score, mon gars. Et puis là, il dit ça ben anodin, là. 10 sur 40. Non, mais. Ah, j'ai jamais écouté cette émission-là, mais je me dis, s'il y en a un qui a voté 10, j'ai au moins 10. Puis il doit avoir genre 4 juges qui notent sur 10. Fait que le cumulatif, c'est d'autres invités. On m'en calisse. Là, pour ça, tu vas aller manger sur chez eux. Un jouet presque mangeable. Ouais, ça serait ça toi, Fred. Ouais, ouais. Donc, voici mon souper presque mangeable. Dans le fond, il y a beaucoup d'affaires en plastique, mangez pas tout. Mangez pas tout, attention, c'est écrit dessus. Là, tu bois dessus, genre. Ouais. Ne... Ouais. Hey, Pikachu, il se la vend vraiment. Ouais, hein. Arrête de limoner, Pikachu. Limoner, tu voudrais que j'aille voir dans le dictionnaire. Limoner. T'as un petit peu. J'ai peut-être une chance de le battre avec Metapod. Donc dans le fond, c'est le fait de préparer une limonade. Ouais, pourquoi les petits collets ils passent moins que mes... que mes être normales? Voyons! Ça me fait chier en crise. Check, ça fout le fessé. Je vais faire un critical hit, ça va juste tosser une petite coche. Ben nowhere. Genre, c'est critical hit, yes. Mais c'est pas really effective. Ouais. That's it, gros Chris vient d'évoluer. Yes! Ben, mec, il meurt, là. Puis là, on va pouvoir faire le combat. Quelqu'un qui meurt, il tombe en hibernation, il fait son cocon, pis va. That's it. Il renaît. Hey, pourquoi t'es pas allé voir sur internet, t'as qu'à monter en haut? Ben, parce que j'avais vu. Parce que c'est plus là de checker dans le dictionnaire. Ouais, t'as plus l'air brillant. Parce que, ouais, quand que tu cherches dans le dictionnaire, ben, tu checkes comme tous les autres mots qui sont autour. Fait que t'apprends comme full d'affaires, là. Ouais, comme savais-tu que le lincin était un mammifère carnivore de l'Asie du Sud-Est. L'encin? Ouais, L-I-N-S-A-N-G. Lincin. Lincin. Calice bizarre. Ouais, ça se prononce. Jamais vu. Y'a pas de photo? Non. Attends, ben, il doit mettre l'alphabet international, genre en son, là. Non. L'alphabet phonétique. C'est écrit, ben, parce que c'est un mot javanais. Javanais. Ça se prononce Leysag. Chris. Hey. Okay. J'ai vu un linsag l'autre jour. J'ai vu un lion. Ouais. Ok. C'était quoi la définition de la bibitte? Bibitte d'Asie du Sud. Je t'ai pas écouté. Là. Asie du Sud-Est. Pis, hey, l'autre fois, moi quand j'étais jeune, je disais tout le temps Asie du Sud-Est, genre. En niaisant, comme si c'était pas un pays, comme si j'avais pris des mots au hasard, mais dans le fond, Asie du Sud-Est, ça existe. C'est un pays, l'Asie du Sud-Est? Genre. Ben les gars, vous m'apprenez de quoi, pis demain, je vais me coucher moins niaisé à soir. ça avait bien pas de sens, ça. Fait que. Ouais. Hein. On s'en revoit demain! Pis ça va être Raphaël qui va battre le gym. Yeah! Pis dans le fond, Bord de Fou, il a pas évolué. Non? Par exemple, c'est toi. Check les noms. Non, il est bon, les gars, il est bon, les 10.